Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, auto-publié par ma belle Cricri. Il s'agit de son dernier, le tout nouveau tarot de Cricri qui est tout simplement magnifique. Il arrive dans un beau pochon en velours, toujours dans les tons roses comme les prédictions des Chibi. Mais je voulais d'abord vous montrer les magnifiques boîtes qu'elle fait. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Cette magnifique boîte trop mimi, elle les vend sur sa boutique avec un petit couvert comme ça, voilà. Il y a encore sa feuille de laurier et vous pouvez par exemple y ranger des bijoux. Je la trouve, moi dès que je les ai vus, je les trouve trop jolies. C'est trop trop mignon avec ici, on dirait une boule de glace. C'est trop trop joli. Bon, ces deux-là, je vous les avais déjà montrées hein, pour mettre des jeux dedans. Celle-ci, elle me l'avait fait sur mesure. Je lui avais envoyé les mesures. Et celle-ci, voilà, elle en vend aussi sur son site. Tout ça est fait par imprimante 3D. Je trouve ça incroyable. Et alors, celle-ci que je trouve trop choupie, aussi une petite boîte, voilà. Je me dis pour mettre soit un petit bijou, soit ça me fait aussi penser à une boîte où on peut mettre ses médicaments. Où on peut mettre un peu d'encens ou des choses comme ça. Je la trouve trop chouette aussi. Voilà, ça c'était le petit aparté pour ces magnifiques boîtes. Du coup, on va se pencher sur le tarot qui est mais magnifique. Les illustrations sont trop jolies. Donc ici, on a le dos, le tarot de Cricri. Les tranches sont neutres. La qualité, bah, elle est top hein, comme les autres. Voilà, je vais vous montrer la taille par rapport à une carte de tarot classique. Voilà. Vous voyez, un peu moins large et un peu moins haute. Elles tiennent très bien en main, du coup. Alors, pour chaque carte, on retrouve ici son numéro et son nom. Et alors, on a le mot-clé à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et j'adore les illustrations. Regardez ce fou ici. Le petit chien ici, comme il est beau. Elles sont vraiment, mais vraiment belles. Voilà. On va les regarder ensemble, du coup. Le battleur. Moi, j'ai un coup de cœur pour la carte de l'empereur. La papesse. Et les couleurs sont tellement jolies. L'impératrice. J'ai un coup de cœur pour cet empereur. Je le trouve tellement beau. Avec ses longs cheveux, je sais pas, il a vraiment un truc. Plein de douceur en même temps. Le pape. On a tout le temps des petits animaux aussi. Les amoureux. J'aime beaucoup les personnages. Regardez ici. Le petit sur son... On dirait un vélo ou une moto, le chariot trop mignon. La force. Les personnages sont modernes, mais en même temps, ils respirent la bienveillance et la douceur dans les visages, je trouve. L'ermite avec son feu de camp, j'adore. La roue de fortune. Très jolie aussi. La justice, regardez les visages comme ils sont beaux. Plein de douceur. Avec son petit animal là. J'adore le pendu. Elle me fait trop rire. On dirait qu'elle est pendue à des anneaux ou, vous savez, des balançoires là. J'aime trop. Ah, celle-ci, elle est belle aussi, l'arcane sans nom, avec le petit chat noir. La tempérance. Le diable aussi, j'adore. Il me fait penser à l'empereur de nouveau. Il est tellement beau. La maison Dieu ou la tour, très très jolie aussi. L'étoile. La lune, elle est belle aussi. Bon, elles sont toutes belles. Mais bon, le soleil. Et le jugement. Le monde. Beaucoup de finesse, je trouve aussi, dans les traits des personnages. Alors, on passe à la série des coupes avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4, il est beau aussi. Ils sont vraiment beaux, les personnages. Le 5. Le 6. En plus, je trouve que les mots-clés qu'elle a mis sont très parlants. Le 7. Le 8. Le 9.
Ah, elle est belle, le 10, bonheur complet. Le valet, il est super beau, hein, avec son oiseau sur son épaule. Cavalier, très beau aussi. Oh, la reine, elle est magnifique. Regardez-moi son visage. Magnifique. Le roi, pareil, j'adore. J'adore les personnages masculins qu'elle a choisis. Ensuite, les deniers avec l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. J'adore les deniers ici de couleurs différentes. Le 8. On dirait qu'elle réfléchit justement à de nouvelles idées. Oh, elle est belle aussi, hein. Le 9. Le 10. Magnifique. Le valet. Le cavalier. Efficacité et rigueur. La reine, elle est très très jolie aussi. Et le roi. Magnifique. Ensuite, les bâtons avec l'as de bâton. Le 2. Le 3. Les petits oiseaux, c'est trop mignon. Le 4. Le 5. Elle est jolie. Le 6. Confiance en soi. Le 7. Le 8. 9. Le 10, elle est belle aussi, hein, charge de travail. Le valet avec le petit chat. Le cavalier. La reine. Oh, regardez le petit chat comme il est mignon. Magnifique. Et le roi. Et le roi, il est beau aussi. Hein. Et on termine avec les épées. Avec l'as d'épée. Magnifique cette as d'épée. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc les mots-clés, sera chouette aussi pour les débutants, par exemple, qui veulent apprendre. Le 7, le 8, le 9, le 10. Le valet, le cavalier, la reine magnifique. Ils sont vraiment beaux les personnages de cour et le roi. Voilà, franchement, moi je suis amoureuse des illustrations et des couleurs. Je le trouve trop beau. On va le mélanger. Bon, il se mélange super bien, comme vous voyez. Oh là là, il a déjà envie de parler. Il se mélange très très bien. Et il va s'étaler tout aussi bien. Ça se voit. Ouais, voilà. Ouf, il glisse même, vraiment. On va en prendre deux pour voir ce qu'il a à nous dire. Hop. Ah oui, il glisse très très bien. Il faut même faire attention qu'il ne s'échappe pas. Ah, ben l'as d'épée. Avec la lucidité, vision claire. Et le 10 de coupe avec le bonheur complet. Bon, ici, clairement, c'est un bon tirage. Hein, avec l'idée de lucidité, de vision claire. Le début aussi, là, je pense que vous êtes conscient que pour le moment, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre bonheur. Voilà, peut-être vous avez le bonheur, la famille, le travail. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, tout simplement. Et peut-être que vous en êtes conscient. Voilà, c'est bien parce qu'on n'en est pas toujours conscient. Des fois, on ne s'en rend pas toujours compte, mais peut-être ici, vous êtes conscient de ça. Voilà, je vais vous les montrer quand même, elles sont un petit peu loin. Voilà, j'adore vraiment la palette de couleurs qu'elle a pris. Voilà pour ce magnifique tarot de Cricri.
Vous me direz dans les commentaires du coup ce que vous pensez des illustrations, si vous aussi vous le trouvez magnifique. Évidemment, je vous mettrai le lien vers sa boutique Etsy, vers son site internet, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil à ces jeux. Maintenant, il y en a quand même pas mal, hein. Des jeux de cri-cri. Et moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour la carte de l'Empereur. Voilà, du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je dis encore évidemment mille fois merci à Christelle, encore une fois pour sa confiance et de me l'avoir envoyé. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.